Cher guitariste, bonjour. Le morceau du jour, c'est un morceau de Téléphone, probablement le plus connu du groupe Téléphone. Il s'agit d'Un autre monde. Donc là, je vous propose un tuto sur les accords qui sont joués par ce qu'on appelle la guitare rythmique. Donc c'est une adaptation du morceau. Là, je vais vous parler de la guitare rythmique. Pour ce faire, j'ai choisi ma Taylor. Voilà. Qui a un très très bon son en rythmique. Et les accords seront les suivants. Alors déjà l'intro, qui est probablement le plus difficile à jouer dans le morceau, parce qu'il va falloir jouer uniquement les quatre premières cordes, pas les deux dernières. La corde du Mi et du La ne seront pas jouées. Il va donc falloir faire un arpège basé sur les quatre premières cordes. Donc, on est sur au départ, un Ré sus 2. Ensuite, on va être sur un Si. Alors, par contre, en fait, normalement, le Si, c'est comme ceci. Voilà. Sauf que lui, il va jouer uniquement deux notes. Il y a deux cordes qui seront jouées, à savoir les cordes 3 et 4 de la quatrième case. Alors moi je les prends avec les deux derniers doigts. Voilà. Donc comme ceci, pour pouvoir faire la transition avec le troisième accord de l'introduction. Donc en fait, voilà, ça va donner ça. Donc je vais avoir... Donc je joue en arpège. Et la troisième et dernière note de l'introduction, c'est un fa dièse mineur en fait, qui normalement se joue comme ceci, qui sera joué d'ailleurs pendant le couplet. Sauf que on ne va utiliser que deux notes de façon à ce que les deux premières cordes sonnent à vide. Donc en fait, ça veut dire quand je suis là, ici, avec mon Si, j'ai juste à relâcher le petit doigt qui est placé en troisième corde, quatrième case, je le relâche et à la place, je viens placer mon index. Là, mon index, je le place en troisième corde, deuxième case. Donc la transition, ça va faire ça. Donc si je le refais doucement, ça va faire. Encore une fois. Ça, il va le faire quatre fois, de façon à mettre en place le petit solo d'introduction qui est basé sur la gamme de Ré, en fait. Voilà. Alors. Ensuite intervient le couplet, donc avec la partie rythmique. Donc là, je fais une rythmique simple avec des barrés intégraux. Voilà. Donc, on va faire un Ré, un Si mineur et un Fa dièse mineur. Donc ça va faire... Ça, c'est pour le niveau 1, on va dire. Enfin, 1, 2, à partir du moment où vous maîtrisez déjà un petit peu la technique du barré.
Maintenant, si on veut faire évoluer un petit peu le jeu, ce que je propose, c'est pour le Fa dièse mineur ici, je vais faire une petite alternative avec le petit doigt, là, en le baissant d'une corde. Donc ça va faire. Donc ça va faire ça. Ré. Voilà, ce qui apporte un petit supplément au morceau. Ensuite, on va passer sur un accord toujours en barré de La majeur. Donc ça veut dire position de Mi majeur, mais en cinquième position. On va alterner entre le La majeur et le Sol majeur. Toujours en barré. Donc ça veut dire position de Mi majeur, mais en troisième case. Donc ça va faire, si je fais l'enchaînement doucement, ça va faire ça. Là, je fais des arrêts. Je bloque la note, la résonance des cordes. Donc. Et je conserve la rythmique avec la main droite. Voilà, bah essayez de travailler ça, et puis dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le rôle de la guitare jouée en arpège, où là je vais prendre mon autre guitare pour avoir une sonorité légèrement différente. À très vite!